après une bataille épique, Ogéen, le roi des singes, et Seigneur Kesmar sont tombés au combat. Seuls quatre seigneurs peuvent encore prétendre à la victoire. Qui parviendra à accéder à la grande finale de ce tournoi? Ah, le technicien qui s'en va, on devait changer les piles, excusez-nous. On devait changer les piles, on est de retour évidemment. Donc, on a maintenant encore des joueurs éliminés, quatre joueurs éliminés. Il n'en reste que quatre. La moitié. Il n'en reste que quatre. La moitié est tombée. Mon cher Alpha, c'est vrai, c'est vrai. On se rapproche doucement de la fin de cette soirée. Il reste à peine deux parties. Il reste à peine deux parties. Où est-ce qu'ils vont là? Vous débrieferez plus tard? Ils nous entendent même pas. Eh les gars, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Escaillard, tu dois jouer là. Eh les gars, on joue là, vous faites quoi là? Ils vont où eux là? Non, y a pas de pause. Hein. Allez, on y va. C'est la fête. Allez, on fait la game. Ça joue là. Ça joue. Non, ça joue, faut faire le lobby, hein, allez. Oh, vous pouvez même la lancer et tout, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez-y. Bon, dans tous les cas, voilà, on va avoir un dernier chacun pour soi. Ouais. Un dernier chacun pour soi. Du coup, ouais. Avec quatre joueurs, ça se resserre, l'étau se resserre. L'étau se resserre, Funka, Coca, Skaya, Gob. Pas surpris de voir ces joueurs. Pas surpris non plus. Non, Funka, j'avoue que je connaissais pas du tout son niveau. Ah, moi, j'avais dit un sous-estimé. Hein. Ouais, je pense. C'était sûr qu'il allait être sous-estimé. Je pense aussi, mais en effet, là, je... Du coup, au niveau des factions, ça va faire mongol, français, abbasside. On verra, sûrement abbasside, ouais. Ouais, et refrançais. Donc deux français, un mongol, ouais. Un abbasside. Clairement. Bah, de toute façon, maintenant, on connaît un petit peu le style de jeu de chaque joueur. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, on voit qu'il n'y en a aucun qui fait des cadeaux. Je pense notamment à Funka et Coca qui, vraiment, dès qu'ils peuvent s'engouffrer dans la brèche, bam, ils y vont. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait plaisir parce que les gens me disaient, mais tu vas voir, en FFA, les gens vont juste rester chez eux, camper, rien faire. Mais non, en fait, on est obligé de sortir. Si on veut des ressources, si on veut faire des points, si on veut éliminer des gens. Alors, certes, il y a toujours des débuts où c'est un petit peu économique, comme on a vu dans cette game-là. Mais même le premier FFA qu'on a vu et le 2v2v2v2, bah, c'était tout de suite agressif. Donc ça fait plaisir. Ah, le 2v2v2, ça faisait plus une map avec un 2v2 de chaque côté qui se passait. Ouais, clairement. C'était un petit peu ça, du coup. Enfin, en effet, là, le mood était différent. Ouais, surtout un côté, ouais. Non, mais l'autre se préparait. C'est dommage, l'autre, vraiment, il y a une armée qui était prête. Et juste, bah, fin de game. Bon, messieurs, vous pouvez y aller. Mettez vos casques, s'il vous plaît. Coca, Sky, mettez vos casques. Ah, mais il nous manque un joueur. Non, ok, non, pas de problème. On va l'attendre, pas de problème. Et voilà. Et donc, en sortie de cette game, vous aurez deux joueurs qui vont se hisser dans les deux premières places du FFA. Et ces deux joueurs s'affronteront en 1v1. BO1, ça veut dire une seule game. Une seule game. J'ai tellement hâte. Ah, ça va faire mal. Hein. Parce qu'une game, il peut s'en passer des choses. Hein. Ah, ça, ouais. Franchement, une game, même si tout se disait, ouais, Coca, si je l'affronte en 1v1, c'est perdu et tout. Une game, mec. Une game, ça peut tout changer. C'est quoi ton pronostic pour les deux joueurs de fin? Bah, la logique voudrait Skyheart Coca, j'imagine. Ouais. Il a pas l'air d'accord. Mais il fait ça. Mais après, on a vu Gob très en forme, notamment sur cette game. Ouais. Gob est probablement celui qui pourrait se hisser. Peut-être que Funka serait des quatre, celui qui est un petit peu en dessous. Ouais, je pense aussi. Peut-être. J'ai le sentiment quand même que Coca et Sky ont peut-être plus d'outils dans un match 1v1 qu'un Gob qui est plus orienté. Surtout Coca. Sur de la macro, Coca est celui qui fait peur. Ouais, mais même Sky, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise sur des matchs 1v1. Il a peut-être plus prac de ce côté-là. Je pense qu'ils ont tous plus prac le 1v1 globalement. Ah oui, non, c'est avec sûr. Les ladders et tout. C'est sûr. Mais ouais, on sent qu'en tout cas sur les affrontements d'armée, Sky a beaucoup d'outils. Donc ça, c'est intéressant. Mais en effet, sur le 1v1, après, je pense que ça va se régler vite. Hein. Ouais, ça va aller très vite. Finale, hein. Si on a un Coca en finale, ça va être de la blessure Orly. Hein. Le 1v1, quoi qu'il arrive, je pense que ça ira vite. À moins que vraiment les deux osent pas et se regardent un petit peu dans le blanc des yeux. Mais bon, les 1v1, en général, on sait. Hein. Ouais. Ça se passe. C'est pas genre no rush 40 et puis on s'attaque en 5 minutes. Hein. On est en train de lancer la game. Donc, messieurs, mettez vos casques tous. Ça va se lancer tout de suite. Ça se lance là. Dans quelques secondes, nous, on rejoindra le chargement. Et puis voilà. Bah, tout à fait. Incroyable. On va jouer sur Roi de la Colline. Aïe, aïe, aïe. Carte incroyable. Très intéressante, on va vous la présenter dès qu'on arrivera en jeu. Je vais pas la ramener, mais c'est ma map un peu. C'est un peu la map d'Alpha. Il a gagné des grands tournois internationaux dessus. Les premiers tournois internationaux. Voilà, des Top Europe, Top Français. Top Europe, à pense à Trivia d'ailleurs. Hein. Bien sûr, deuxième meilleure joueuse française. Merci à Trivia qui, grâce à elle, officiellement au classement, m'a permis d'accéder à la gloire. Bon anniversaire à Trivia. Il a tout connu, il a tout connu. Non mais bien sûr, une map très très fun. Qui a un seul site sacré, on va le voir, on rejoint la carte maintenant. Un seul site sacré au milieu, du coup, le site sacré de la hype, j'ai envie de vous dire. Parce qu'une fois qu'on le tient,
on a besoin que de tenir celui-ci. Il y a un camion qui est passé là. Ouais, c'est... Non, c'était le changement de la gamme. C'est un corps de guerre, je crois. Tout mais à tranquille. Fait. Alors mon cher Alpha, on va regarder la carte. Regardez comme c'est très chargé au milieu, sur le milieu de la carte. Alors, deux caractéristiques. Une qui était déjà présente dans les anciens Age of Empires, c'est que vous avez toutes les mines d'or au centre. Enfin, toutes les mines d'or, pardon. Il y en a quelques-unes dans vos bases. Et des reliques. Il y en a une ou deux dans vos bases, grand max. Mais la deuxième caractéristique, c'est qu'effectivement, vous avez ce fameux lieu sacré. Si vous le capturez et que vous restez 10 minutes dedans, vous avez gagné la partie. Tout simplement. Exact, on le capture avec un moine à partir de l'âge des châteaux et il faut le tenir 10 minutes et on peut détag, on peut le retirer le contrôle avec n'importe quelle unité militaire. C'est du contrôle de zone, comme donc du contrôle de drapeau, de zone dans n'importe quel jeu. Mais ça m'étonnerait que ça se joue là-dessus. On va voir, cela dit. Après, si quelqu'un commence à avoir des châteaux, des murs au milieu et tout... Non, mais c'est complètement une possibilité. Ouais, c'est vrai que sur cette carte, c'est possible. En c'est fait, vrai. Mais le truc, c'est qu'on est dans un mode de jeu où là, uniquement les deux premiers vont accéder à la finale. Donc là, on n'est même pas sur « j'essaye de jouer la troisième ou la deuxième place ». Non. Là, c'est tes premiers ou deuxièmes. Là, tu dois gagner. Et c'est tout. Globalement, donc, tu dois gagner parce que tu ne vas jamais viser la deuxième place, tu vas viser la première. Mais tu vois, je réfléchis. Si, imaginons qu'Oka prend le milieu et a une armée de fous, tient hyper bien le milieu, bah, du côté de Xander, de Sky et de Gob, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu risques le 1v1 contre un Coca qui est peut-être mieux? C'est hyper compliqué. Ou est-ce que tu vas aller taper les autres pour te dire « je veux assurer la deuxième place » C'est hyper compliqué parce qu'en fait, dans une game où on ne voit pas le score, où on ne voit pas le score, c'est très compliqué de prendre un choix stratégique. Quand même, tu vois. Tu peux te dire « non, mais je vais lui laisser la victoire comme ça. Moi, je me sens bien dans la game. Mais je vais faire hyper mal. » Tu ne sais jamais si tu es deuxième. C'est ça qui est horrible. C'est que tu peux pas te dire « je vise la... » Ils sont que 4. Mais justement, tu peux pas viser la deuxième place, surtout si de ton côté la game est tranquille et que tu vois rien. Tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc honnêtement, ça ne se joue qu'à la première place pour moi. Et si t'as de la chance, t'es deuxième. C'est un peu ça le truc, tu vois. Moi je le vois un peu comme ça en tout cas. Ce que je veux voir dans cette game, c'est quelqu'un prendre le lieu sacré. Je pense que quelqu'un sera mis out en début de partie ou au milieu de partie. Mm-hmm. Et une fois que cette personne est out, il ne reste plus que 3 personnes. Et là, il y aura un choix. Contester le lieu sacré ou aller raser les bases. Ou aller finir l'autre pour aller être pour assurer la deuxième place. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué d'aller prendre le lieu sacré et de le défendre, puisque si vous défendez le lieu sacré, vous défendez a priori pas ou peu votre base. Donc en fait, soit vous perdez le lieu sacré et vous perdez la game parce que vous avez snowball là-dessus, soit vous allez perdre votre base et vous perdez la game parce qu'on vous rase vos bâtiments. Donc c'est très compliqué parce que la personne qui va jouer le lieu sacré, si jamais il y en a une, va devoir défendre deux endroits, ses monuments et son lieu sacré. Et c'est qui est compliqué. Ça me hyperait. Les lieux sacrés, ça me rend heureux. C'est bien. On a envie. C'est comme des merveilles early game. Ouais, mais c'est plus beau jeu que les merveilles, je trouve. Parce que c'est vraiment dur à tenir. Quoi. Bah ouais, tu dois te défendre. Bien sûr. Tu dois te défendre. Bon, H2, ça arrive tranquillement. J'aurais dû parler des avantages du sultanat avec les lieux sacrés, là. Si Personne joue sultanat. T'as vu qu'on n'a pas de double cible, on n'a pas de double français, au fait. Hein. C'est vrai. On a eu un britannique. Ouais, britannique du côté de Funka, en effet. Du côté de Funka. Funka qui est parti britannique. Lui, hein. Ouais, tout à fait. On n'a pas eu chinois ce soir aussi, pas vraiment. Pas de chinois et pas de Saint-Empire romain. C'est les trois civs qui ont été un peu boudés. Ouais. Bah c'est des civs qui sont meilleurs en team game de manière générale. Ouais, c'est vrai. Donc pour les jouer et pour vous amuser, en effet. Cela dit, on savait pas si on verrait du russe parce que c'est une civ complexe. On en a vu quand même. Hein. Ouais. Très fort. Hein. Les Russes qui est une civ très dure à jouer mais extrêmement forte. Ouais. Très. On a vu des Français par contre. Beaucoup de Français. On en voit autant qu'en ladder. Français dans le jeu, Français dans la salle, Français en ladder. Français partout. Mais Français dans la salle, on les aime bien. Hein. Dans les villes, dans les campagnes. On les aime bien. Et on vous aime évidemment. Dans la salle, bien sûr. Enfin, les francophones. Francophones, tout à fait. Francophones, bien sûr. C'est Français de Navarre et d'ailleurs. Bien sûr. Mesdames et messieurs, on est sur les H2 qui arrivent tranquillement. C'est en train d'arriver chez Gob. C'est en train d'arriver, il me semble, chez Sky. Ça arrivera juste après. Donc on est au début de game, comme vous en avez l'habitude maintenant. Pas de grosse agression avant 10, 15 minutes de jeu, si jamais il y en a. Mais on est aussi dans un FFA à 4, donc compliqué d'aller tout de suite faire un all-in d'agression chez quelqu'un. Gob H2. First. Le Gob, le premier à 4:25. C'est pas mal. 4:25, ouais. C'est pas mal. Du tout, hein. Comme timing, après, bon, c'est un timing relativement. C'est un BO réussi. C'est un BO réussi. BO réussi. On est resté concentré. Gob qui valide le BO. Le BO féodal est validé. Ah, dans les tutos, c'est moins de 5 minutes 10. Hein, l'âge 2. Si jamais. C'est vrai que t'as passé la nuit à faire ça. Pas du tout, ça m'a pris une heure pour tout faire. Ouais. Oh, on va suivre juste après avec Skyheart sur l'aile économique. Voilà, qui va être recherché. Regardez, les aliments frais. Moins de 5 minutes 10 aussi, le tuto est réussi. Aliments. Bien joué à lui. Aliments frais qui vont être recherchés dès qu'on peut du côté de Skyheart, permettant la production de villageois à 25 de food au lieu de 50. C'est fort, c'est très très fort. Tout à fait.
C'est extrêmement fort. Et ça y est, on est hors tuto, malheureusement, Alpha. Donc là, le tuto est raté pour Silver, hein, du Funka et Coca. Ce sera médaille d'argent. Médaille d'argent, dommage. Effectivement. Hein, Funka, mais Funka qui passe à H2 maintenant. Et Coca, pareil. Oh, Coca qui a raté aussi. Hein. Coca qui apparemment n'est pas très à l'aise avec les mécaniques du jeu. Ouais, ça se voit. Hein. Il est perdu. On voit qu'il est perdu. Il ne comprend rien. Il ne fait pas de mur. Bref. Il comprend rien. Enfin, oui, voilà, ça fait mal. Ça fait mal de voir ça, mais tant pis. Il met des cailloux dans sa base. Enfin, on ne sait pas ce qu'il fait. Déplace ses bâtiments. Mais n'importe rien. Quoi. Oh, fait... on perd les paysans. On a une agression. Oh, le chevalier, on l'a pas vu sortir. Oh non. Oh, le timing push de Gob qui pourrait faire très très mal. Attends, mais c'est très ennuyeux. Ah, c'est problématique. Oh, les problèmes. Ah là là, les problèmes. On fait une caserne. Caserne en urgence. En vrai, pas les problèmes parce qu'il n'y en a qu'un, mais attention, on y a un deuxième. Ah bah bien sûr, bien sûr. Là, on va en envoyer. Normalement, il y en aura deux, trois. Ouais. Attends, il en est où? La caserne est forcée très très rapidement. On va commencer à produire du piquet pour un petit peu réagir à ça. Mais là, tu vois, il développe la chevalerie. Donc, ça va se calmer un peu. Ça va se calmer un peu le push. Il va essayer de sniper du paysan. Ok, ouais, midlife. Paf. Hop, dernier coup peut-être. Ouais, le dernier coup va passer. Est-ce qu'on peut en tuer deux? Oh là 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 là, c'est déjà 3 ou 4 kills, je crois. Mais ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Les chevaliers, ça rigole zéro. Oh là là. Alors ça, c'est très embêtant. D'autant que c'est sur Coca. En plus, il va pouvoir détruire. En vrai, le meilleur truc, c'est péter le Ougou. Oui, oh bah, alors d'accord, mais... Tu connais le Ougou? Non mais... Pardon. Le Ougou. Oui, je comprends, oui. C'est bâtiment mongol, j'aime bien dire ça. Bref, ah du coup... Mais là, il va rien casser du tout. Non, non, mais pour le coup, il est tellement exposé, il aurait pu tenter de le focus et complètement deny l'income de Pierre. Et ça, pour un mongol, c'est les problèmes, hein. Ouais, tout à fait. Pas de Pierre, pas de Ougou, tu te retrouves, hein. Tu te retrouves très, très ralenti dans ta prod. Alors, cela dit, bon, pour l'instant, ça récolte pas de Pierre, hein. Ah si, ça en récolte là-bas. Ah si, ça en récolte ça en récolte. En fait, après, est-ce qu'il faut quand même qu'il aille sur les coups. Il faut quand même qu'il aille sur les coups. Non, mais ça, en fait, la pierre permet aux Mongols de totalement développer son économie et ses unités. Enfin, c'est essentiel. Donc, il le détruit, c'est bien joué. Mais il était quand même obligé d'aller sniper du villageois au cas où au début. Ah oui, non, en se disant, si je peux en choper 4-5. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Non, mais la transi est nickel sur le Ougou. C'est parfait. Clairement, il a eu 5 villageois. Ah ouais, là, c'est dur. Mais pourquoi il l'a détruit? Ouais, pourquoi il l'a supprimé, je sais pas. Hein, peut-être il veut le faire ailleurs. Non, il veut aller le faire ailleurs. Il en a fait un là-haut. Eh oui, c'est malin parce que tu ne peux pas avoir plusieurs Ougou. Eh oui, en donc même il temps. Faut le refaire tout de suite, effectivement. Donc heureusement, il l'a d'elle et refait à un endroit où il va pouvoir aller le défendre. Il a fait une caserne à côté. Donc tranquille, tranquille. Pas de panique, mon cher Alpha. Fun et la vitesse. Est-ce qu'on va réussir à choper le Khan? Peut-être. Oh, le Khan. Oh, le Khan. Oh, la belle interception. Oh, le Khan est mort. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour Très, très propre. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Ah ouais, bon sniping. Vous pouvez l'applaudir alors que. Les bases sont. Les quarts de map sont en train d'être choisis. La pizza se découpe, ouais, mon cher Alpha. Skyheart fait un énorme mur tout autour de sa base, juste devant Gob. Le mur de Funka a commencé en haut. On aura probablement le mur de Gob. Alors après, bon, il sait qu'il y a Skyheart à sa droite maintenant. Enfin, il va aller le scouter. Donc tranquille. Il va surtout repartir sur de l'écho. J'ai l'impression qu'on fait le deuxième forum pour Gob. Donc voilà, l'agression est terminée. On est allé gratter un petit peu Coca là. Mais c'est bon. On est tranquille, a priori. Et ça l'a forcé à faire quelques piquets, hein, tu vois. Il a fait 6 piquets, la silencier, Coca. Donc, bon, voilà, opération réussie. Ah, tout à fait. On investit, ça y est, la fameuse montagne, la montagne de la richesse pour notre cher Skyheart. Ouais, ça, c'est bien, il y va très tôt. C'est une bonne idée, c'est ce très forum, bien là. Joué. Hein. Le forum qui, je l'espère pour lui, tiendra, voilà, les ravages du temps et de la guerre. Ah ouais, mais clairement. En effet, il est parfait ici, hein, avec l'affleurement de pierre, le filon d'or, c'est nickel. En tout cas, c'est un... La vue sur le lieu sacré, en plus. Hein. J'allais dire que c'est un all-in, mais le fait d'investir la carte tout de suite au milieu, c'est un signe fort, hein. C'est un signe fort, clairement. Alors, est-ce qu'après, il fera le donjon carrément? On verra. Oui. Ah là bah. Sky qui voit les chevaliers qui sont en train de l'attaquer. Il a le temps de réagir. Il a le temps de réagir, mais là, sur ce timing où il construit un forum, je pense que ça l'embête. Ça l'embête un petit peu. Après, là, il n'y a aucun bâtiment proche de cette palissade. Il faut qu'il avance quand même. Il n'a aucune caserne aussi. Il n'a aucune caserne, mais ça sort vite. Il va refaire un mur. C'est bien joué. Refaire un mur. C'est normal. Là, en fait... Mais il est obligé. Là, c'est... Mais par contre, attends, ça passe pas en bas, là? Non, ça passe pas, ok. De toute façon, de voir un mec dans son bateau là qui met les planches là. Colmate Colmate les planches. Et t'as vu, regarde juste à droite, il y a une forêt qui bloque, mais ça se joue à un arbre. Regarde à droite là. À droite, ouais. Tu vois là, il y a un arbre qui bloque. Ici là. Donc si cet arbre est détruit, attention. Ah ouais. Oui, en effet, ah c'est terrible ça. Tu vois, si t'amènes deux villageois là, c'est un arbre mort en plus, donc il se coupe très vite. Un orme mort. Ah ouais, donc ça pourrait surprendre. Hein. C'est le genre de trucs qui peuvent être terribles. Vrai, un petit run by dans l'écho là. Oh bon, encore faut-il le voir. Ah, c'est vrai que c'est dramatique. Un arbre. Il y a peu de chances qu'il le voit parce qu'en fait, les unités niveau pathfinding vont automatiquement aller ailleurs. Ne me fais pas parler du pathfinding, je passe une bonne soirée actuellement, Alpha.
Donc je ne vais pas parler du Pathfinding d'Age of Empires 4. Il y a des choses que j'ai ratées. Je suis sûr qu'il y aura des patchs. Il y a des choses que j'ai ratées au passé. Le jeu vient de sortir. Il sera amélioré avec le temps. On passe une très bonne soirée, j'espère. J'espère que vous aussi. C'est la micro qui est pas bonne. Oui, mais ça doit être un problème entre la chaise et le clavier, probablement. Exactement. J'imagine. Ok, on est au milieu de la map pour Coca, avec quelques lanciers, 7 lanciers pour être tout à fait précis. Les lanciers de réaction. Ouais, voilà. Il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de cette merde là. C'est ça. Autant se balader. Hein. Il va se balader, il va aller scouter un petit peu, voir un petit peu la funk, peut-être. Peut-être, en effet. Après, c'est surtout pour prendre l'info sur qui est actuellement sur cette gold. Hein. Là, en effet, il faut avoir cette information. On le sait. Skyheart, hein, il a scouté Skyheart. Je pense qu'il a scouté Skyheart. Non, il n'a pas scouté Skyheart. Alors, c'est dommage pour Coca qu'il ne sait pas que Sky a déjà d'ores et déjà investi la gold. T'as vu, Gob a carrément anéanti le push sur les murs de Sky. Genre, il a vu le deuxième mur, il a fait. Ouais, c'est la bon, flemme. Le terrain. Ah ouais, ok. Après le deuxième mur, un troisième mur peut-être. Mais oui. Non, mais en même temps, c'est mal. Alors, on le voit en ladder, hein, des triples murs. Hein. Vous avez palissade, pierre. On voit des trucs comme ça, effectivement, qui arrivent. Et qui fleurissent un petit peu sur les ladders, même sur les team games, parce que ça décourage vraiment. Typiqué là, chez, ouais, chez Gob qui il gardait le mur bleu. Il gardait le mur bleu. Ouais, il se balade le petit piqué. Là. Chacun prend un petit peu des infos. Je crois qu'en fait, c'est Skyheart qui a pris aucune info quasiment. Je vais regarder un petit peu sa caméra. Ouais, c'est ça. La carte de Skyheart est très pauvre en informations. Il sait juste qu'il y a Gob pas loin. Mais sinon, il a pas trop vu qui était en face. Bon, après, il a vu les unités, les éclaireurs et tout, mais il a surtout tout basé sur le côté all-in du contrôle du milieu de la carte, ce qui est vraiment, je pense, une très bonne opération. Après, à voir s'il va jusqu'au bout, c'est-à-dire, comme je te disais, faire le château et tout. D'ailleurs, cet âge des châteaux, on y arrive. On y arrive. Ouais, on prend son temps. Du côté de Funka, c'est très tranquille aussi. Hein. Regarde-moi, c'est superbe moulin. Ah ouais, là, on se régale. Hein. Est-ce que c'est essayer de ne pas être satisfait ce placement de ferme là, on est en Beauce, hein. On se régale. La Beauce, c'est chez moi, ça. Bravo la Beauce. Hein. Ah, bravo, merci la Beauce. Hein. Ça ne me manque pas. Nourrissez la France, vous faites plaisir. Ça ne me manque pas, mais bravo la Beauce, bien sûr. C'est très plat. C'est très plat. Hein. La Beauce, c'est plat. Voilà. C'est très plat. Hein. Si on doit décrire la Beauce, c'est plat. Fin de phrase. Fin de citation. Il n'y a que Skyheart qui a lancé son âge des châteaux. Il est à la moitié, donc il va être vraiment très en avance. Mais... est-ce que ça sent le donjon direct? Est-ce qu'il s'est mis à récolter de la pierre, ce cher Skyheart? Pas encore. Donc on va pas faire un donjon direct à côté du lieu sacré. Il va pas y avoir cette idée-là. En tout cas, pas tout de suite. Mais en tout cas, ça va être le premier de très loin à l'âge des châteaux. Ça va arriver à 13 à peu près, 13 minutes. C'est marrant, du côté de Gob, on n'a pas fait le triple forum. On est resté sur deux forums et là-dessus, cette agression early lui a peut-être coûté le fait d'éventuellement partir sur un boom économique. Donc Gob qui risque d'être peut-être à la traîne, même s'il est bien en score actuellement. Ouais. Il risque peut-être d'être à la traîne sur l'économie. Funka qui a lancé son âge des châteaux. De toute façon, le score est très close. Hein. Là, on est à plus de 1500 pour tous les joueurs. Une légère avance de Gob avec 1700. Mais comme on a vu, 1700, c'est pas ça qui fait la diff. Après, on est dans une dizaine de milliers de scores. À voir qui va se faire agresser, etc. dans cette partie. Donc, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour parler du score pour l'instant. Ça y est, H3. Âge des châteaux pour Skyheart, mesdames et messieurs. Qui est largement au-dessus des autres, niveau économique. Ouais. Là, qui a explosé pour le moment, qui est très 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 bien dans cette partie. Et 74 paysans. Hein. Commence à produire. Ouais, 74 paysans. Il va encore nous faire, je pense, des vagues. Il va en faire 250. Il va en faire environ 250 sur 200, on sera bien. Puis après, il les supprimera tous, puis il attaquera. Voilà. Mais ça a marché, écoute, ça a marché. Ça a marché tout à l'heure. En tout cas, il a 10 paysans de plus que tous ses adversaires minimum. Donc clairement, ça a fonctionné, il a jamais rien arrêté. Et il avance un petit peu, quelques unités, voilà. Coca atteint l'âge des châteaux. Hop, l'éclaireur anéanti. Ouais, c'est bien joué. On avance. Je pense qu'il veut surtout voir, voilà, en termes de milieu de carte, qui est où, qui fait quoi. Mais pour l'instant, il est seul. Hein. Ouais, pour l'instant, il est tranquille. Il est pas seul. Du tout contesté. C'est bizarre qu'on n'ait pas osé aller un peu plus prendre cette gold. J'aime bien cette petite ce poste avancé pour Funka qui donne la visu. Est-ce que tu peux parler rapidement du petit feu qui brille en jaune au-dessus du poste avancé? Alors oui, c'est un petit feu qui brille. À quoi ça sert? Non, c'est alors je l'ai su récemment, c'est le réseau de châteaux. Quand des ennemis sont proches, ce bâtiment sonne l'alarme, ce qui augmente la vitesse d'attaque des unités à proximité de 25%. C'est les feux d'alerte. Je le savais. C'est les feux d'alerte. Tu le savais, non mais c'est vrai qu'en termes d'interface, tout le type. en termes d'interface, les gens qui voient ça, ils disent mais pourquoi la tour elle crame là. Mais non. C'est très utile parce que ça vous permet de savoir si vous avez une agression très très tôt. Petite attaque. Oh, en effet, petit push de la part de Sky. Ah, c'est vraiment un push. Ouais, on prend des infos. C'est un corps diplomatique. On prend des infos. En plus, il y a même un mouton qui accompagne l'armée. Hein. C'est le retour d'Edouard. Attention, hein, le mouton pour nourrir les troupes à tout moment. À tout moment, t'as faim, vite. Mais pour enfoncer la porte, surtout.
Moi, c'est pour ça que j'en ai. Envoyez le bélier, le vrai bélier. Le vrai bélier, pas la machine. Oh, les springales. Oh, ça va vraiment vite à construire, hein. C'est impressionnant. Je ne m'en rendais pas compte. Alors, pourquoi espringale? Alors, espringale, écoute. Pourquoi il avait des espringales, là? Ah, je croyais que tu demandais pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah non, non, non. D'accord. Non, parce que moi-même, je ne sais pas. Hein. Non, mais pourquoi avoir fait des espringales? Oh, attends, mais pourquoi il en fait 2000? Bah, parce qu'il a envie de faire mal. Hein. Les espringales qui sont très, très puissantes, hein, avec leur portée. En plus, on a une petite colline. Regarde cette forte, charmante colline verdoyante, là, c'est nickel. On peut aller mettre une grosse pression. Je me dis juste, s'il voulait push, pourquoi pas bélier? Mais c'est peut-être pour garder un petit peu de distance et pouvoir protéger à distance ses espringales plutôt que de faire d'armes, là. Il va tout seul, l'homme d'armes. C'est parti. Il va tout seul, je suis chaud, là. À la bataille. À la bataille. Il va contrôler le pays. Non, j'aime pas, non, j'aime pas. Ouais, ils sont bien là, ils sont là. Ouais, je confirme, les gars. Ils sont bien ici. Attends, je vais voir. Attends, t'es sûr? Ah non, ok. Ouais, ils sont là. D'accord. Attention, les espringales qui vont défoncer ces archers quand ils vont montrer leur trogne. Aïe, ça va faire mal. Non, ils sont là aussi. Ils sont là ici, ouais, non, reculez, les gars. Ça fonctionne. Les espringales, ça fonctionne contre l'infanterie. Ah, ça fonctionne aussi. Ça fait du bon dégât. On va essayer de sniper, je pense, ici, ce poste avancé. Ouais. Est-ce qu'on a des agressions ailleurs sur la map? Je ne crois pas. Bah non, pas. Hein. Non, c'est calme. Et donc, première agression contre Funka. Et donc, Skyheart qui veut raser Funka potentiellement. Et donc, tu vois pas de. Oh. F. N'empêche la précision, hein. F pour la villageoise qui traversait. Can I have F on chat? F in the chat pour la villageoise. Oh la vache. Marie-Françoise là qui traversait au mauvais moment. Attends, mais ça continue par contre, hein, ça va devenir problématique. Il va falloir réagir au bout d'un moment parce que. Et puis les archers, ça fait zéro dégâts. Là, on papote, mais ça avance. Les villageois, hein, qui sont énervés avec leurs torches, ils hésitent. Et on va foncer dans cette. Aïe. Alors c'est un par un, attention, parce que faut pas gâcher des tirs. On va faire un bélier. La petite micro. Non. Attention, on est. Non. Non, toujours pas. J'ai dit que je parlerai pas du Pathfinding, je l'ai déjà dit. Je n'en parlerai pas. Non, mais là, le bélier avance. J'en parlerai pas. C'était sa faute. 3 sur 5, donc on est en train de défendre. Alors ça avance pas qu'à moitié là. Hein. Là, il va falloir commencer à s'en occuper. Mais hein. Clairement, là, l'énorme problème que va avoir Funka, c'est qu'il n'a rien pour se débarrasser de ses espringales, de ses béliers et de ses hommes d'armes. Et puis surtout, il n'y en a pas deux, il y en a 7. Ouais, il y en a 9 maintenant. Le problème en plus des hommes d'armes, c'est que les archers font zéro dégâts contre les hommes d'armes ni les armes de siège. C'est juste un cauchemar qui est en train de s'abattre. Ah là, c'est dur. Ce push, il est très puissant. Et puis c'est marrant, il est arrivé, on se disait, non, mais c'était une visite. Ouais, c'est pour rigoler. Et puis d'un coup, c'est problématique. C'est pour rigoler, là. Mais ça va plus trop, là. Le salon de l'automobile, là. On va se calmer peut-être, là, l'arrivée dans la base de Funka. Clairement, on ne se bat qu'avec des roues. Tous ces engins motorisés, là, ça sort d'où? Ça, c'est compliqué. On ne se bat qu'avec des roues, effectivement. Alors que les béliers sont en train de foncer au calme. Sur le forum, non, ça revient. Non, on fait une parade. Non, parce que les villageois, c'est quand même très fort contre les béliers. En fait, si vous envoyez que des béliers tout seuls, c'est la punition. Non, mais c'est évidemment on fait la démo des derniers moteurs électriques, là, pour le moment. Ouais, on n'est pas en train de pousser. C'était pour qu'ils regardent, ça existe. On vous montre que ça existe. Et c'est puis, le voilà. Futur, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, Funka est en train de plonger en scoring alors que Skyheart se gave totalement. On continue de faire des béliers. Attends, mais est-ce qu'il va pas voir le fameux rush? Il y avait un petit push. Hein. Pendant ce temps, il y avait un petit push de gob. Enfin, peut-être on est allé scouter du côté de chez Coca, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de dégâts. Là, j'ai peur que Skyheart nous fasse le fameux push où on a 6 béliers directement sur le forum. Et, quel enfer. Et puis et rien voilà. Pour se débarrasser des béliers. Il est là le réel problème, c'est que là. Funka est un petit peu, il s'évertue un petit peu sur son fantassin arc long vétéran, mais ça ne marche pas contre cette composition. Il faut faire un mix dans les unités. On a des hommes d'armes éventuellement qui pourraient aider, mais c'est tellement difficile. On a une espringale, hein, des espringales qui sortent pour sniper ses béliers. Ça, par contre, c'est bien vu. Ça fera la différence. Mais le souci, c'est que on a un peu plus d'espringales du côté de Skyheart, mesdames et messieurs. Attention quand même, ça avance à droite. Ouais, ça avance, on a réussi ça à en sniper deux. Les villageois qui vont se faire tailler en pièces. Peut-être une troisième. Non, ça ne suffira pas. La défense des hommes d'armes qui était un peu tardive, là, c'est dommage, on s'est fait surprendre du côté de Skyheart. Oh, la réparation, regarde, ça répare. L'espringale, elle est repartie full life en 2 secondes. Ah ouais, c'est vrai, c'est impressionnant ici. Pour Skyheart qui a tout réparé, regarde comme ça remonte vite la vie de l'espringale ici. Alors qu'il avait réussi à sniper. C'est malin, il est très très bien ce push en tout cas de la très part de Skyheart. Très bien joué. Et pour le moment, il n'a pas détruit énormément de bâtiments. Funka qui tient bien et qui est en train un petit peu de contenir ce push, mais on est obligé quand même de sacrifier du villageois. Ouais. Voilà, c'est ça le problème du bélier, ça force le villageois, ça le force à venir mettre le feu au bélier. Et puis derrière, les dégâts économiques sont graves en fait. Ça fait beaucoup trop mal. Là ici, on va continuer de construire beaucoup d'espringales. Les archers qui vont tenter de sniper ces hommes d'armes, mais beaucoup d'armure hein, sur ces unités. Et ces archers qui vont être plutôt adaptés pour détruire des unités d'infanterie légère. Ça ne suffira pas. On perd encore un homme d'armes. Cependant, on hésite hein, du côté de Sky. On veut pas s'empaler. Est-ce qu'on a des pushes éventuellement de l'autre côté de la map? Je ne crois pas. Hein. Pour le moment, c'est très très calme. Hein. C'est calme hein. Du côté de la map ici. Ça continue d'avancer. Les hommes d'armes qui sonnent la charge, mesdames et messieurs. Enfin, on se fait
c'est kite, hein, c'est frustrant. Mais là, je crois que la salle de conseil va tomber. Tout à fait. Ça va tomber. Tout à fait, mon cher Alpha. Ben, on va commencer à foncer. On a 4 béliers. On voit que les fantassins Arquelon font 0 de dégâts. Donc on fonce, tout simplement. On y va. On continue avec les espringales derrière d'essayer d'avoir les fantassins Arquelon. Et ça y est, les murs de Skyheart se construisent. En bas, ici, juste là. On a des murs. Let's go. Ça va commencer. Let's go, le Skywall. Et là, ça veut vraiment dire qu'on ne partira pas de cette base. Ah non, non, non. Ça, c'est le signe de la mort. Ah oui. C'est le signe. C'est le signe qu'on s'installe pour rester, hein, effectivement. The Harbinger of Doom. On plante la tente et c'est un monument qui a été détruit pour Funka, le premier monument qui tombe, ouais, c'est dommage. De la game, il en reste deux bien sûr. C'est vraiment problématique parce que c'est la salle du conseil qui produit les fantassins Arquelon, oui, à 100% de la vitesse depuis le monument, donc c'est dommage, c'est un problème. Avoir une prod un petit peu plus lente et ces hommes d'armes qui sont tellement compliqués à éliminer du côté de ces archers, on n'y arrive pas. Ouais, c'est insupportable. On a ces espringales qui en plus continuellement font baisser le compte d'archers en les snipant vraiment à longue portée, mais il y a quand même de bons dégâts, hein, sur ces espringales, ouais, sur les archers. Il faut tellement d'archers. Pour avoir un petit peu de dégâts sur ces espringales. Regarde qu'ils s'en vont. Dis-toi que si c'était des archers, ce serait pire encore. Mais oui, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est des unités. En plus, c'est des unités des Anglais. C'est ça qui est terrible. Il y a un forum qui va tomber. Côté Funka, ça se passe très mal. Il est éjecté. Non. Il n'est pas éjecté, mais il n'a plus qu'un monument Funka, mesdames et messieurs. Alors que. Monument est là-bas. Non, le monument est ici. Ah, il l'a pas vu, c'est le palais du roi. Il l'a pas vu. Bah, il est loin. Il est loin, mais ce mur le voit peut-être. Quelqu'un sur le mur pourra le voir éventuellement. Les hommes d'armes qui sonnent la charge ici. On va voir du kiting, je pense, de la part de ces fantassins Arquelon. Ah, non, la formation échelonnée. Je pense qu'il sait où est ce monument, Skyheart. Quoique, il est en train d'aller vers la gauche. Attends, pour on va voir ce qu'il etc. a détecté de la map. Oh, il a pas. Ah, si, il l'a vu. Si, il le sait. Il est ouais, il le voit. Surtout qu'on le voit bien sur la minimap pour le coup, sur son. Oui, sur son interface, donc clairement. Mais là, pour l'instant, ça snipe du bâtiment un peu gratos, le temps que la reprod peut-être de Sky arrive. Alors, t'as vu qu'au centre, on a Gob qui a investi le centre. Alors, avec du code de l'écho, pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, ça démarre. Il va commencer à y avoir un petit peu là. Oh, Coca chez Gob, mesdames et messieurs, qui est en train de lancer une attaque. Ah oui. Avec ses fameux arbalétriers mongols qui l'affectionne. Tout particulièrement, mesdames et messieurs. Mais on le repousse efficacement avec de l'archer, qui est une bonne réponse face à ses arbalétriers, j'ai l'impression. Ouais, pas trop d'inquiétude. On se regarde un petit peu, on se tâte un petit peu. On se dit, ouais, t'as quoi? Ouais, j'ai ça. Ah ouais, toi aussi, ok, vas-y, moi, je me barre, je reviendrai tout à l'heure. Skyheart, pour l'instant, a abandonné la base de Funka qui va devoir se redéployer plutôt, un autre forum, plutôt vers dur. Le nord. Ouais, il y a un forum qui va probablement tomber, très difficile de le défendre. Voilà, on y va. Et après, il va y avoir peut-être la deuxième vague de Sky qui va directement arriver. Ou peut-être va-t-il en profiter pour passer Impérial, qui sait. À voir au niveau des ressources, on est comment sur Sky? Zéro de nourriture, c'est compliqué. Hein. On a zéro de bouffe, clairement. En plus, là, il y a un beau paquet de villageois qui est arrivé chez Funka pour continuer la muraille. Voilà, ici. Ah, j'adore. En tout cas, pour continuer pour l'instant la tour et peut-être ensuite continuer la muraille vers la droite, je suppose, c'est-à-dire regardez vers le monument. La portée de la tour en plus. Hein. Ah oui, c'est un cauchemar. Hein. Vraiment, ça va pouvoir attaquer les fantassins. Ouais, exactement. Et il est très proche du monument. Hein. Ouais. Il suffit qu'il continue un petit peu ce mur. Ouais. Et ça là, y est, regardez. Après, on a avancé, pas... hop. Oh, bah non, elle tire sur les champs là. On n'a pas d'unité à distance, malheureusement. Oh, le mangono. Oh, non. Oh, non. Oh oh, ça fait mal, mais ça n'a pas fait de kill. Attention. Mais surtout, il n'a pas perdu le mangono. Enfin, pas encore. Ah, il le répare. Et il répare à fond. Et ça va avancer. Il va avancer comme ça. Hein. Il va avancer comme ça, clairement. Allez, voilà. Le dernier monument. Ah, il aurait fallu réparer les béliers. Le dernier monument. On n'a pas le choix. Il faut le défendre. Ah, il faut réparer les béliers. Regarde. Repousse les béliers. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. Sky qui micro très très bien ses unités. Qui les garde. Qui n'en gaspille pas. On va tenter un autre tir de mangono bientôt peut-être. Puis ces espringales qui menacent tellement le fait de venir s'approcher pour avoir l'info. Il y a deux mangonos. Tu t'approches, tu te prends un parapluie dans le crâne. Enfin, c'est pas agréable. C'est quand même dommage. C'est relou. C'est dommage de prendre un tronc d'arbre en pleine tête. Retour d'un Orlando à l'aide, enfin, c'est compliqué de se prendre un parapluie dans le crâne quand tu veux juste avoir l'info. Et du coup, les espringales qui sont tellement dissuasifs et les béliers qui reviennent. Ils ont été soignés. Ils poussent, ils sont allés, allez, plus vite. Allez, mesdames et messieurs, on est sur le dernier monument de Funka qui doit absolument le défendre. Sinon, il sera éliminé de la game. Mais comme vous le voyez, ça va trop vite. Faut réparer. Ça va trop vite et Yatro, il est en train de faire du hit and run avec ses unités, mais malheureusement, ça y est, il a compris, mais trop tard. C'est trop tard, un ça peu va tard, tomber avant, malheureusement. Ça va tomber avant. Est-ce que ça va tomber? Plus qu'un coup. Funka, Nelik. Non, courage, ça tient. Attention. Ça tenir. Oh, il arrive à tenir. Funka, il s'accroche. Il arrive à tenir. Les hommes d'armes en mode paysan. Les archers qui se font tous massacrer. Non, c'est la fin. C'est fini. Funka qui va tomber, mais qui s'est défendu comme un lion jusqu'au bout. Oh non. Dommage, il a réalisé trop tard. Bon, de toute façon, le mur.
Le mur. De toute façon, c'est à cause du mur. Le mur, ça. C'est le mur. Il met le mur, c'est la fin. Même s'il a réalisé un peu tard, il n'avait pas de quoi défendre sur ce push qui était en train de sonner le glas de sa base, tout simplement. Et c'est donc Skyheart qui repart en prince, tranquillement. S'en va de la base. Il y a un mème à faire sur le mur, c'est I fear no man, but this. Mais tu vois. This scares me. Mais tu vois, chose assez intéressante, au stade actuel de la partie, Skyheart est éliminé de la game. Ouais. En termes de scoring. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez, c'est-à-dire que là, si la game s'arrêtait maintenant, Skyheart serait éliminé. Parce qu'on joue au scoring. Et il faut bien que les joueurs s'en rappellent. C'est pas le tout d'éliminer des joueurs, mais il faut réussir à faire son boom économique, il faut réussir à monter en techno, il faut réussir à monter en armée, etc., etc., etc. Faut pas perdre cet objectif de vue, parce que Gob et Coca, de l'autre côté, bah, ils se sont pas attaqués. Ils ont développé leur économie tranquille et ils ont de l'avance. Surtout que Sky, il voit tout ça, là. Non, mais il voit tout ça, Sky, là. Il doit se dire. Non, il voit là, tout. Là, ça, c'est intolérable. Ça, c'est intolérable. Ça, c'est intolérable. C'est insupportable. Que... Regarde, on voit même ça en plus. Là, c'est une vraie douleur. C'est une vraie douleur. Ça, c'est une vraie douleur. Enfin, je veux dire, en plus, il l'a miné sous ses yeux jusqu'à la fin. Ah ouais, 8000. 8000 gratos. Bon, cela dit, c'est la même chose pour de l'autre côté. Hein. Oui, mais quand même, il était là avant. Mais il a fait le donjon, tu vois, ça y est, un donjon près du lieu sacré. Voilà, là, ça va commencer à se bastonner au milieu, là. Oh, mais tu vois, là, ça me fait peur parce que Skyheart, il est très en dessous. Mais si Sky tient le lieu sacré pendant 10 minutes, il passe premier du FFA. Je sais, ouais, je sais. Mais ce qui me fait un peu peur, ce qui me fait un peu peur quand même, c'est que là, Sky est en dessous. S'il s'engage dans une autre guerre, eh ben, ça va profiter aux deux autres, en réalité, en termes de score. Donc attention, attention quand même. En fait... Tout dépend de par où les deux joueurs vont devoir passer. Et le souci, c'est que le défilé, quand tu regardes la topographie pour venir au lieu sacré, là, Gob a sa route et Coca a sa route, en fait. Et ils vont tous les deux arriver au même endroit. Donc, il y aura réellement un 2v1. Totalement. Il y aura réellement un 2v1. C'est pas comme s'il devait se gêner et se taper dessus pour arriver à Skyheart, quoi. Il est là, le souci. Et bien, justement, il y a Coca qui arrive hein, au milieu. Il est en train d'avancer. Il a une... Il avance chez Gob, non? Il a une, bah, il avance milieu, j'ai l'impression. Ah non, mais il pourra pas monter là. Alors vers où il va pouvoir aller bloqué, là. Parce que là, il est à droite. Hein, là, les biches ont essayé, elles n'ont pas réussi. Hein. Là, on peut pas passer. En général, si les cerfs n'y arrivent pas, c'est que l'humain n'y arrivera pas. Exactement. Surtout donc, la bombarde. Bon, alors ils se regroupent là. Ah mais il y a un passage. Regarde en haut. Oh, regarde un peu plus haut. Les pleupleux Père Noël. Ils un peu plus en haut. Il y a un passage et justement, il a commencé à avancer avec les Père Noël là. Et il va pouvoir. C'est le gang des Père Noël qui va pouvoir commencer à construire de la. Ils sont ténueux. Le petit gère. Avec la gold qui est récoltée. Donc ça y est, les trois joueurs vont aller prendre le contrôle du milieu. On vous en parlait, bon, en même temps, normal, hein, roi de la colline, ça parle de soi-même. Hein. Un gère. Un gère des gers. Voilà. Gère, comme les Allemands. Gère. Deux donjons au milieu. Deux donjons qui défendent cette pierre, t'inquiète. Avec le lieu sacré. Alors c'est quand même étonnant de voir personne, enfin de ne pas voir Skyheart notamment aller contrôler ce lieu sacré un peu gratos. Ça demande juste un petit monastère. Ouais, un mais petit moine. Veut... En fait, enfin. Après, je sais pas s'il serait pas touché par le donjon. Non, je sais pas s'il a la reine. Ah, si, si, non, mais là. Ouais, il a la reine. Ça, là. C'est un No Man's Sky. On appelle ça un No Man's Sky. Hein. No Man's Sky, pas du tout No Man's Land. Bah non. Qui est dans le Game Pass. No Man's Skyheart. No Man's Skyheart. C'est dans le Game Pass. C'est dans le Game Pass. Dans le Game Pass, c'est OK. C'est dans le Game Pass, on a le droit. No Man's Land, bonjour à tous. On a le droit. Je suis droit. Un vrai gamer. Désolé, je joue trop au jeu. Trop au jeu vidéo. Attaque en haut. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est parti. Contrôle du milieu. Ah par contre là niveau des armées, Skyheart il va se sentir un petit peu à la bourre. Ouais. Alors, il s'est battu tout à l'heure, mais là non. Ouais là ça va être dur. Hein. On est à plus de la moitié du temps de jeu mesdames et messieurs, il reste moins de 20 minutes actuellement parce qu'on joue jusqu'à 45 de timer, timer que vous voyez en haut au milieu. Tout à fait. Mais là du coup je regarde. Oh, j'aime bien comment on a réinvesti. Ouais, il a tout lancé d'un coup, il a tilt. Ah, vraiment, c'est l'OPA. Oh, et puis la production de cavaliers, magnifique. Il a tilt, bah, il y a 11 écuries. Voilà, 11 écuries avec le point de ralliement qui tandis va bien. Que... Et on a converti en élite. Les troupes désœuvrées, là, qui savent plus quoi faire de leur vie, là. C'est triste. Ouais, est-ce qu'on devrait manger ce cerf cru? Des gens très tristes. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai faim quand même. Hein. Là, c'est pas évident quand même comme prise de combat pour Coca. Le terrain est vraiment. Ouais, c'est très escarpé. Ouais, hein. C'est escarpé, c'est très très réduit. Enfin, les coups de bombarde, on détruit un château. Le château est tombé instant. Alors, c'était pas un château en construction, ça plutôt? Je crois ouais, que peut-être si, qu'il l'a annulé, tu dirais. Ouais, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, j'avoue, je me souviens pas. Cette relique là. On salue hein, tous les mains Saint-Empire romain dans la salle. Qui pète un câble. Qui voit ça et qui pète une durite qui littéralement. Hein, on pense à vous, bien c'est sûr. C'est vrai que pas trop d'utilisation de reliques. Skyheart qui est en full pop actuellement, ce qui me fait dire qu'il a peut-être relique. Trop d'unités. Oui, on sait que tu joues. Dieu sacré, les joueurs d'Elie en PLS aussi. On sait que tu joues Empire romain. Non, je joue pas ça. Non, mais des fois, il y a d'Elie, ou encore pire. Ouais, je sais. Oh, regarde ce qui se passe du côté de Sky. On va peut-être tenter ce serait beau, un run by cavalerie légère alors, dans l'économie de Coca. Alors, d'accord, mais il faut pouvoir passer. Pour l'instant, c'est wall. Hein. Oui, non, mais.
Oui. Non, non, eh. Non, si, si, non, c'est non, Wall. Oui, c'est Wall, ouais. C'est Wall tranquille. Bon, après, c'est Wall palissade, quoi. Wallolo. C'est Wallolo palissade. Bien donc sûr. Tranquille. Faut pas s'affoler. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Gob? Oh, mais dis donc, ça se bat là en bas. Ah bah voilà, qu'est-ce qui se passe du côté de Gob? Oh, c'est parti, mesdames et messieurs, l'affrontement ici entre Gob ainsi ça arrange bien Skyheart. Coca. Oh, on va voir des bombardes qui vont un petit peu aider sur le soutien. Beaucoup, beaucoup de dégâts à distance, des archers, des arbalétriers du côté des Mongols. La frontline est plutôt mal en point, j'ai l'impression. On a quand même beaucoup, beaucoup de dégâts, mais c'est assez équilibré. Hein. Les deux frontlines qui sont très, 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 très mal et qui vont tomber. Je pense que c'est Coca qui va prendre l'avantage. Ouais, il y a plus d'unités à distance. C'est clairement Coca qui est en train d'avancer avec une meilleure concave. En plus, il y a quelques unités d'artillerie derrière. Mais quoique, il a envie de reculer. En tout cas, il a enlevé les arbalétriers. Il a laissé les archers vétérans. Les archers vétérans qui continuent de sniper les autres archers vétérans de Gob directement. Du coup, ça va pouvoir être une victoire de Gob qui va revenir avec sa prod, mais non, parce qu'il n'arrive pas à se séparer des hommes d'armes qui sont au cac, mais ça revient. Pourquoi ça revient? Est-ce que Skyheart est à côté? Oui, Skyheart a run by, comme on l'avait dit. Ah, voilà. Il a percé la palissade. Le Mongol raidé. Et ça il run by. C'est un run by dans les couilles. Il a même splitté sa cavalerie. Alors non seulement, en fait, il scoute surtout. Il scoute pour voir ce qui se passe. Il se dit, ok, voyons voir. Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont en train de se battre? Est-ce qu'il est dans la merde? Est-ce que je suis bien? Comment ça se passe? Et ça continue. Regarde la reprod de Skyheart en haut sur la ligne. Sur le bois, ça va faire mal. Mais sur le bois, avec la reprod, avec l'écho surtout, et la reprod de Skyheart qui arrive. Hein, ça continue de run by en haut dans la palissade. Maintenant qu'on a fait le trou, je pense qu'on va continuer parce que même si on perd les chevaux, la reprod va permettre de revenir. Bon, quelques ça suffit. Fuyez les boutons, fuyez pour vos vies! Envoyez-les sur le château! Fuyez, jamais on deviendra jaune! On va rester rouge! Détruisez le château! C'est marrant, il a quand même fait un clic en mode. Non, ça me gêne, il les a virés. Non, mais allez, il y a eu cette action de. Ah oui, c'est vrai, ils sont trop là. Ouais, non, en même temps, il y a des pâturages, ils sont contents. Mais oui, là, il y en a beaucoup. Hein, là, ils sont contents, les pâturages. Il n'y a que ça, des pâturages. Mais en tout cas, en effet, je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Ils sont encore là, il est encore là, Sky, hein. Il est encore dans la base. Hein. Il y avait deux groupes. Ouais, en effet, on n'a pas eu énormément cependant de dégâts économiques, je pense, de la part de Sky. On a eu le temps de rentrer dans les forums, en fait. Et ça m'a permis de prendre des infos. Le Wu est épuisé. Terrible. Je suis épuisé aussi. On peut plus là. Perso, j'en peux plus là. Non, mais ça lui a permis de prendre des infos précieuses parce qu'il avait pas vraiment de. Il savait pas ce qui se passait, hein, Skyheart. Hein. Il avait aucune info sur ce qu'on voit là. Il aime bien faire ça, envoyer de la cave légère, il la suicide, mais il a toutes les infos de la map. Ouais. De la base, en fait. D'ailleurs, assez rigolo parce que les bâtiments mongols, en fait, on les voit pas. Oh, l'affrontement. Oh là, par contre, ça fait mal. Ah oui. Mais on a l'armée ici de Coca qui va intervenir et qui va un petit peu bloquer Skyheart. C'est du beau match entre Skyheart et Coca à chaque fois. Hein. C'est du beau match. Et le pire, c'est qu'il peut même pas se dire, bah ça va, je referme les walls. Bah non. Bah non, c'est pas le mien. Dommage. En fait, non, c'est pas ses murs. Je me demande si tu peux combler un wall qui n'est pas le tien. Je crois pas. Non, tu peux pas, je pense. Déjà, tu peux pas raccorder un mur de pierre à un allié, ce qui est dommage. Ça viendra, ça. Je sais pas. Avec le pass-fending. Allez, du coup, on va voir la reprod de chevaux de Skyheart. On est à combien de pop? On est à 190 de pop côté Skyheart avec le milieu. Oh, le milieu, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le milieu, ça se regarde tranquillement. Il y a de plus en plus de châteaux. J'ai l'impression que Gob n'avance qu'en château. Hein. C'est le seul bâtiment disponible dans sa prod, visiblement. T'en as un en dessous aussi. Hein. Il y en a quatre. Hein, donc voilà. Ah ouais, non, il y a de quoi faire. Il y a du caillou. Hein. Il y a du caillou à dépenser chez Gob, clairement. Je crois que c'est un message. Est-ce que tu penses que c'est lié à ce lieu sacré? Je suis pas sûr. Peut-être un message. En tout cas, il a encore 1500 cailloux. Donc ça peut y aller. Hein. Du full caillou château, là. On va continuer d'avancer. Gob, d'ailleurs, caillou. Et Gob, il est tranquille quand même. Hein. Ah, comme, il est tranquille, il avait pas une armée de dingue. Hein, il s'est mis bien. Et Skyheart est revenu en score sur Gob, justement. Donc il y a égalité entre ces deux joueurs. Skyheart et Gob qui jouent leur élimination dans cette game en 12 minutes, un peu moins de 12 minutes maintenant de jeu restant. Donc c'est très tendu. C'est très tendu. On est à la bourre au niveau des upgrades là pour. J'ai rien dit. Il était cavalier vétéran, j'étais en mode. Non, mais c'est un peu. Ah, élite, pardon. Il vient de l'upgrade. Donc on est en train de faire les dernières upgrades, voilà. Et convertir en élite pour les chevaliers, pour les cavaliers, les archers maintenant, ce serait bien. Archer d'élite, voilà, très bien, j'arrête de parler. Ça arrive. Gob qui fait toutes les suffit de demander. Exactement, merci. La foule amélioration forge peut-être. Ça m'énervait là, 33 minutes. Non, mais ça va, t'énerves. C'est bon, c'est fait. Gob qui va pouvoir peut-être sortir, puisque là maintenant on a une armée technologiquement parlant qui est forte. On a des couleuvrines royales très très puissantes. Probablement la meilleure artillerie du jeu pour sniper d'autres pièces d'artillerie. Vraiment, c'est considérable. Ça fait bizarre. Quand tu prends un coup de couleuvrine dans un mangono, ça fait très bizarre. Tu dis attends, mais moi j'ai pas ça. Tu dis attends, mais il y a un trou dans ce mangono là. Qu'est-ce que j'ai là? Ça roule pas ça. Ça roule plus le mangono là. Quoi, ça roule plus? Skyheart qui re-rentre.
Il re-rentre dans la base de Coquin, mesdames et messieurs. Et oui, bah, il n'y a pas de mur. Hein. Forcément, on ne peut pas faire de mur quand on est en civilisation mongole chez les rouges de Coquin. Donc, est-ce qu'on va encore faire du scouting? Est-ce qu'on va essayer de choper du villageois? En tout cas, il est intercepté, c'est le moins qu'on puisse dire, par quelques unités. Oh, les escopétiers. Ça split. Ça y est, il a fait un petit split. Il va essayer de sniper du villageois. Non, il se regroupe. Il veut prendre de l'info. Il veut prendre de l'info. Enfin, il prend de l'info avec des lanciers de cavalerie d'élite, donc c'est de l'info qui coûte cher un peu quand même, ça, pour Scar. Mais niveau économique, on est tellement bien. Oh, niveau gold, c'est compliqué par contre. Il est à 200 de top, hein, Skyheart. Là, il est à 185, mais pourquoi il est à 190 de max? Il faut faire une maison, là. Mais il a dû perdre une maison dans la bataille. Dommage. Il a acheté une maison dans la bataille. Ça va arriver. En tout cas, ça continue, hein. Bah, c'est l'hippodrome, hein, j'ai l'impression. Hein. Il nous fait une course depuis tout à l'heure. C'est les courses hippiques, hein. On est en train de voir qui va essayer d'arriver vivant. Et pendant ce temps-là, regarde côté Coca, on essaie d'intercepter. La trage ici. On prend la diagonale. Ah, je crois qu'il a trouvé un cut. Ils ont trouvé un cut. Ils ont trouvé un cut de ce côté-là, peut-être. Clairement, les rouges qui cut. Ici, on va essayer de choper. Oh merde, pendant ce temps, Yagob, on l'avait pas vu. Ah, c'est la panique pour Coca. Ah, c'est la panique. Oh, regardez-moi ça, les trois joueurs sur la même image. C'est des images terribles, mesdames et messieurs. Des images qui font mal. Mais ils se tapent dessus alors qu'ils sont chez le Mongol. Non, mais arrêtez, vous savez qui est l'ennemi là. Oh mais quel zbeul, mais c'est pas possible. Ah, il y a tellement d'unités. Ah, c'est impossible à suivre. Mais on a perdu quasiment toutes les unités pour le moment. C'est Gob ici, mesdames et messieurs, qui va se retrouver dans cet affrontement face à Coca. Mais il y a trop de piquets. Il y a trop de piquets, trop d'escopétiers. Ouais. Ah, cependant, beaucoup d'escopétiers du côté de Gob. Gob est en train de faire une opération excellente en termes de scoring. Ça se voit. En plus, il est remonté. Il a dépassé Coca pour la première fois, donc là c'est vraiment Gob qui a profité de tout ça, qui a réussi à sniper quelques unités. Sky qui a un peu perdu de score de son côté, donc là c'est vraiment des unités, hein, c'est vraiment très bon. Par contre, attention aïe, aïe, aïe. Oh, les couleuvrines, attention quand même. Oh non. Recule, non. On pas le temps. Non, ça roule pas vite. Aïe, on va perdre tous ces archers là, et en effet là, niveau du scoring, on va en perdre du côté de Gob, c'est dommage. Et Sky qui remonte, hein. Sky qui remonte parce qu'il a pu sniper quelques unités, et surtout il reprod, et là la reprod militaire, c'est, vous voyez, il y a beaucoup de fluctuances de fluctuations dans le scoring des joueurs, et c'est parce qu'en fait la reprod amène beaucoup de scores. Je pense que les joueurs le savent, ils connaissent le fonctionnement du jeu, mais là c'est clairement un truc qui va faire la différence à combien d'unités on va avoir quand le 45 va sonner, sachant que pour l'instant on a quand même Funka qui est éliminé, je rappelle, qui sera le dernier joueur, et maintenant on joue la troisième place, enfin la troisième place d'élimination bien sûr. Celui qui aura le moins de scores à 45 sera éliminé. Ouais, c'est dur pour Skyheart là, parce qu'il va vraiment falloir qu'il change sa compo. Là, je comprends pas quelle était l'idée derrière ce run-by avec des chevaliers. C'est une unité extrêmement coûteuse. Je comprends de le faire avec des cavaliers pour prendre vraiment toutes les infos de la base. Peut-être qu'il voulait juste te dire, est-ce qu'il est en train de se faire attaquer, tu vois. Il voulait faire du scoring d'explo. Peut-être qu'il voulait prendre de l'info en se disant, est-ce qu'ils sont en train de se battre, tu vois. Est-ce qu'il s'est peut-être. Dit, peut-être qu'ils sont en train peut-être, de se battre. Peut-être, c'est vrai que c'est peut-être ça. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que nous on voit tout, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout. Mais lui, peut-être qu'il se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer de l'autre côté de la carte. Il veut voir ce qui se passe, tu vois. Mais bon, on a une petite. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé. Il a bait un bon petit groupe d'infanterie, hein, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il a dû vraiment dire une insulte très méchante. Hein, en mongol. Il a dû dire un truc en mongol. Il a dû apprendre des rudiments en mongol un peu. Tu sais que Docho veut dire baisse-toi. Voilà. Baisse-toi, du verbe se baisser, on est d'accord. Se baisser. D'accord. Oui. Ouais, parce qu'attention quand même. Je parle mongol couramment. Je comprends. Je sais uniquement dire Docho. Ok. Oh, OMG, regarde, il y a une ligne de défense de Skyheart qui s'est organisée. Il y a 4 châteaux qui viennent de pop en construction là. Juste ah ici, oui. Là. Ah ouais, ça s'énerve. Ah là on veut. Ça s'énerve. Même là, on écrase les maisons. On écrase la maison. Ah, il a supprimé, il s'est dit, oh, celui-là, il va peut-être pas passer. Non, celui-là, non. Là, on n'a pas le PLU qui est en notre faveur. Là, c'est compliqué. On n'a pas le permis. Oh, mais, permis de construire pas valide. Au milieu, c'est pareil. Hein. Skyheart qui nous a fait 3 châteaux. Oh là là, mais il y a eu une agression de Coca au milieu d'ailleurs. Ouais, il a avancé. Il a avancé. Et le scoring, regarde le score, Alpha, c'est un truc de fou. Skyheart, il a tellement explosé. C'est tellement serré. Coca va être dernier. C'est la reprod, qui fait ça. Oh, c'est impressionnant là. Mais il reste 7 minutes de jeu, c'est terrible. Peut-être que tu peux nous mettre le. Affiche-nous le score en haut là, qu'on voit bien ce qui se passe en termes de visuel. Regardez les petites barres là. Regardez les petites barres. Tellement close. Ah, tellement close. C'est un truc de fou et ça va jouer à 45 piles. On aura une photographie de la game. Parce qu'on peut pas l'arrêter tout de suite, mais vous inquiétez pas, on aura l'info. S'il faut, on regardera replay régie et tout, hein. Vous inquiétez pas. Bien sûr. Bien sûr. Allez, mais là, ça va être close. 6 minutes, hein. Il reste 6 minutes. Impossible de savoir qui va être éliminé dans cette game. Quelle game de fou, les amis. Gob qui est actuellement premier au score et Gob qui est en train d'enfoncer chez Coca. Oh, totalement. Là, on a une défense. Il passe premier au score. Ça se passe très bien pour Gob. Hein. Il arrive à bien profiter de la situation. C'est si dur pour Coca qui est en train de se split. Il est obligé de se split entre les deux joueurs. Il est vraiment Coca dans qui est une dernier position. Au score. Ouais, Coca qui est dernier au score depuis tout à l'heure. C'est trop dur là. Il faut intercepter ces paladins avec ces piquets là. On a beaucoup de tireurs. Mais est-ce que ce sera assez? Les paladins qui sont en train un petit peu de contourner. Ça charge la ligne.
de tireur du côté des paladins. C'est ça y est, on joué. Est dedans. On est au corps à corps et on est en train de faire beaucoup de dégâts à ces escopétiers aussi qui font. Oh là là, ah, les escopétiers qui font un vrai travail aussi. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup côté gob. C'est terrible. Et en plus, Coca qui se retrouve vraiment entre les deux joueurs. Skyard qui est premier. Oui, il est sous pression des deux joueurs. Skyard qui est repassé premier. C'est incroyable de voir ça. Skyard qui fait une remontada fantastique. Il reste moins de 6 minutes de jeu, Alpha. Ah ouais, moins de 6 minutes de jeu. Et là, pour le moment, Coca, ça paraît compromis. Hein. Comment est-ce qu'il va pouvoir revenir? Il a, en plus, il est vraiment partout. Il a tellement d'unités dans tous les sens. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'il en est, Sky. Où est son armée? Je ne vois pas. Ah ouais, il est en train de reprendre une armée. Il fait tout le tour. Oh là là, énorme armée ici sur le côté droit de la map. On a cependant un push qui est en train de se faire sur le forum. Beaucoup de troupes qui sont en train de tomber du côté de Gob et Sky qui pour le moment est tranquille et va probablement backstab Gob. Il est trop bien, il est trop bien, il fait du scoring à foison, il a 3000 d'avance maintenant Sky. Oh là là, Coca qui est en train d'attaquer Gob aussi en il même temps, milieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont en train de s'affronter tous les deux pendant que Skyheart se gave. En termes de points, quelle fin de game incroyable. Il reste 5 minutes de jeu pendant lesquelles vous avez vu tout peut se retourner encore. Aïe 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 aïe, mesdames et messieurs, en effet, pour le moment, au niveau du scoring, Sky s'envole. C'est l'envolée de Skyheart sur le scoring pendant que Koga et Gob sont en train de se tabasser la tronche par terre là, mais c'est compliqué parce que le souci, c'est qu'il faut tabasser celui qui est top score, mais ils le savent pas. Ils savent pas où est Sky, ils se demandent ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre, surtout actuellement, on a quand même Koga dans sa base qui se fait push. Les lutins de Noël. Les lutins. Non, courez, les lutins de Noël, il faut surtout pas rester là. Oh, sauvez les cadeaux. Il n'y a plus de magie de Noël, hein. Ah, c'est vrai. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus de place pour Noël. Oh, ça y est, on va sauver Noël du côté et ici. Voilà, on revient. Le cas de Père Noël est là pour sauver Noël. C'est beau, l'esprit est encore là. Il reste 4 minutes de ratant. 4 minutes de jeu. Et pour l'instant, ce serait Gob qui serait éliminé de ce FFA pour arriver au 1v1 final, mesdames et messieurs. Mais là, ça y est, on voit que Coca avance chez Gob. Et ça va peut-être se retourner. Parce qu'en fait, si Skyheart se met à attaquer Gob et qu'il se retrouve à 2 contre Gob, c'est vraiment c'est les lois du FFA. Hein. Des 2v1 qui se retournent d'un coup en ta contre-faveur, etc. Et là, voilà, on est dans l'économie, on est dans le bois. Regarde en bas. L'affrontement ici, au milieu de la carte, mesdames Double et messieurs. Affrontement. Double affrontement. On a un affrontement au milieu de la carte ici. On va perdre des bombardes, on va perdre des unités pour Coca. C'est compliqué. On a une armée de Coca qui a tenté une percée du côté de Gob ici. Oh là là, ce château qui a la vue là sur cette armée, qui a une telle vision. D'ailleurs, tous les châteaux de Gob sont tombés, t'as vu au milieu, à force. Ah ouais, c'est des ruines. Il y avait 4 châteaux, il n'y en a plus aucun. Le lieu sacré qui est en mode, vous aussi vous êtes des ruines maintenant. Hein. Ça fait quoi le là? Le lieu sacré, mais vous m'avez un ça peu fait oublié. Quoi là? Vous m'avez Alors, pas capturé. On a quasiment les 3 armées des joueurs qui sont très proches. On a Skyheart qui est sur la gauche, ici, juste en bas de la colline. On a Gob qui est derrière. Oh là, mais la Coca, il est entre les deux armées. Là, la Coca est entre les deux armées. Les problèmes. Ah non, mais Coca a 2 armées depuis tout à l'heure. Coca, il a son micro, split. 2 armées. Hein. Tout à fait. Incroyable. Quelle Coca, pour l'instant, dernier en scoring. Il reste 3 minutes de jeu seulement. Le scoring ne fait que évoluer entre Coca et Gob. Et les encouragements dans la salle, ça gueule. Bien sûr. À ce stade, mesdames et messieurs, ça va être Coca ou Gob. Hein. C'est clairement la bataille pour la deuxième place. Oh oui. La bataille pour la place en finale entre c'est les deux joueurs. C'est terrible parce que t'as deux joueurs qui se font attaquer, puis d'un coup ça se retourne, puis ça revient. Oh, la charge de cavalerie de la part de Gob la dans charge. Les tireurs. Est-ce que ça suffira? Ce n'est que de la cavalerie légère cependant. Et on a énormément d'arbalétriers et de tireurs ici qui vont certainement faire un carnage de cette cavalerie légère. 2 minutes 30 restantes. C'est dur, c'est on dur. On a Skyheart qui revient de l'autre oh, côté. Oh, la charge de Skyheart dans le dos éventuellement. Qui pourrait lever les yeux vers l'est? Et non, non. mais malgré la perte. Absolument pas. Malgré la perte des unités de Gob, il a réussi à se maintenir au-dessus en termes de scoring. Il y a 600 d'écart et à ce stade du jeu, ça compte pas. Le Rouen a d'autres priorités. Non, le Rouen veut faire du scoring. Le Rouen veut faire du scoring là, on laisse le Gondor. Mais je sais pas si t'as vu, mais à gauche. Non, mais mets-nous le temps là. Bien sûr, je mets le temps. Il est 43 minutes, il mesdames nous et messieurs. Minutes. Et à gauche, tu vois qu'on a toute l'armée de. Enfin, on a une partie de l'armée ouais, de Gob. On a des archers qui ont fait des dégâts économiques. Vraiment, Coca chez lui, c'est terrible. Coca, c'est ouf. C'est le terrain de jeu là. Mais en même temps, il est entre les deux. Et ça, c'est la malchance du placement. C'est comme ça. Il est entre les deux. Mesdames et messieurs, c'est terrible ce qui est en train de se passer pour Coca qui se fait. Bah, littéralement, la map, ce n'est pas. On n'est pas sur une map de type Roi de la Colline. Là, c'est la map, c'est base de Coca. Voilà. C'est, le nom de cette map, c'est il base reste de Coca. 1 minute 30 1 minute 30, mesdames et messieurs. Sky va rester chez lui tranquillement. Il a raison. Coca tente un petit peu de se reprendre de ce push, mais là. Ça m'étonnerait pas que Skyheart ait étudié comment fonctionne le score du jeu. Et je sais qu'ils l'ont tous un peu fait, mais du coup, Skyheart il se dit là, j'ai aucun intérêt à perdre des units. Bien je sûr. Sais que je suis devant. Je sais, il a la moitié de la base. C'est simple, regardez la map. Skyheart a la moitié de la map. Donc il sait qu'il est forcément pas dernier. C'est sûr et certain. Il reste 1 minute à peine.
il reste ouais 1 minute 5 secondes. Donc vraiment, ouais, il Sky, reste que Sky dalle. Sky qui passe à l'attaque, Sky qui passe à l'attaque, mesdames et messieurs, attention. Est-ce qu'il va forcer cette fight? Beaucoup, beaucoup d'arbalétriers ici, mesdames et messieurs. Coca qui tente de se défendre désespérément. Gob qui, pour le moment, ne bouge pas. Hein. Il fait une armée chez lui, mais il va pas forcément y aller. Attends, il reste encore 50 secondes. Ah, il va reculer Sky, ouais. Ouais, sachant qu'on a une dizaine de secondes d'écart, tu vois, ici on a le vrai timer, eux ils sont à 26, 27, alors que nous on voit 18, donc faire attention à ça, hein, faut freeze la game. Ah mais je mettrai pause en fait, à 45. Ah, tu mettras pause à 45, t'es un petit malin toi. Tout à fait. C'est vrai que t'es un petit malin. Ok, bah c'est ce qu'on fera, de toute façon, il reste moins d'une trentaine de secondes, mesdames et messieurs, tout peut encore jouer entre Coca et Gob, si jamais il y a une dernière bataille, la dernière bataille en bas. Ah ça y est, attention, la charge ici, qui pourrait déterminer la fin, mesdames et messieurs, ça y est. Pense à la pause. Coca et Gob, je vais penser à la pause, y a pas de problème. Je t'en supplie, parce que là ça va être. Ça mesdames va jouer. Et messieurs, c'est tellement serré entre les joueurs ici, encore 12 secondes. Ça va se jouer la seconde. Cavalerie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Et c'est pause. Et c'est Coca qui est éliminé. C'est Gob qui passe, mesdames et messieurs. C'est Coca qui sort, qui est éliminé de cette game. Aïe, mesdames et messieurs. Aïe. Gob et Skyheart qui vont s'affronter. Terrible. Ah, sur le fil jusqu'au bout. Ça s'est joué à une centaine de points. Ça incroyable. Ça s'est joué à 11 257. Alors, on n'a pas les stats en régie, parce que nous, il faut que la game se quitte. En fait, si on, parce que nous, on est observateurs, en fait. En obs, voilà. Donc, on n'aura pas les stats. Mais en tout cas, quelle game de fou game jusqu'au de dernier moment. Jusqu'au dernier ça moment. Ça s'est battu sur cette colline. On ça le a savait été pas. Terrible. Oh la vache. Non, là, vraiment, honnêtement, on a eu cette game qui partait toute tranquille. Ouais. Toute gentille, et puis finalement qui s'est retrouvé être un bordel sans nom. On peut le dire, bon, on peut le dire. Je vais aller recueillir les impressions de tous les joueurs. On va commencer, je pense, par Coca qui est éliminé, mesdames et messieurs. Mais quel game de Coca qui s'est retrouvé entre les deux joueurs. Coca, il faut. T'étais à combien d'APM? Combien d'actions par seconde? Qu'est-ce qui s'est passé, Coca? Tu t'es retrouvé entre les deux, ouais, à la fin de la partie. Terrible. Je suis anéanti en vrai, j'étais convaincu que ça suffisait de les fumer à deux en fait, mais pas mais du c'est tout. Regarde comme c'était ouais, close. Non mais c'est à 300 points. Genre, ouais. Et ça fait 15 minutes, hein, vous êtes à 200 points d'écart. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, je sais pas ce que j'aurais pu faire mieux pour passer, mais... Mais t'étais entre... Non mais tu t'es super bien battu, c'est pas trop bien battu franchement. T'étais entre les deux. Ouais. T'étais ouais, entre j'ai tenu les deux, en vrai, genre j'étais content de tenir. Et je me disais, bah ça sera suffisant pour passer, mais non. Okay. Franchement, tu peux pas t'en vouloir, t'as fait non, une game monstrueuse. Non, pas du tout. T'as été hyper réactif, t'avais pas de wall. Bon, moment non plus, mais tranquille. Au game d'avant. Voilà. Je cherche le bouton encore. Voilà. Mais franchement, t'as été impérial. T'étais le grand favori, c'est vrai, de cette compétition. Ouais. Mais là, il a fallu deux joueurs pour t'écraser. Même avec ça, ils ont failli pas réussir. Donc félicitations encore, Coca. Bravo. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ensuite, on va aller voir Gob. Mon cher Gob. Quel game incroyable. C'est alors, honteux, Jean. Ça, comment ça, c'est honteux? Mais je mérite tellement pas, il est à 2v1. T'es ici, ça veut dire que tu mérites. D'accord, il mérite ou pas? Non mais Coca, c'est un monstre, c'est très grave. C'est vrai qu'il était en 2v1, et comme je l'expliquais, ça s'est vraiment joué à une centaine de points depuis 20 minutes. Ah oui, ok. Depuis 15-20 minutes, vous faites premier, deuxième, premier, enfin 3. 3-2. Par contre, c'est un truc de fou, parce que moi je continue à taper en me disant faut que j'essaye de le battre, parce que niveau points, il doit me pulvériser, genre ouais. On a aucune info sur les stats. Et bah du coup j'ai fait un dernier push, Funka m'a dit que mon dernier push m'a failli coûter ah ouais. La game en fait. En fait t'es devant et on te voit attaquer et je dis là s'il perd tout, il va perdre son score. Et non, on a fait pause au pile au moment et voilà. Bon, hey, félicitations Gob. Ah merci, un tu peu vas, trop mais... Tu vas affronter en 1v1 ouais. Un joueur qui a fait une game exceptionnelle, qui est revenu de très loin, mesdames et messieurs, Skyheart est premier de cette partie. Skyheart qui était pas bien, t'étais pas bien à un moment, t'étais dernier en score. T'as été dernier en ah score, ouais enfin après l'élimination, mais je veux dire des trois autres. Okay. T'as été dernier en score, t'étais à 9000, ils étaient à 12000. Et t'as réussi à revenir, t'as pris le contrôle de la moitié de la map tout simplement, je t'ai vu hein. T'as séparé la map en deux, t'as dit c'est chez moi. En fait je me suis dit, honnêtement, Gob et moi on a pas envie d'affronter Coca en 1v1. Je me suis dit bon, je pense qu'on va se mettre d'accord sur ça. Je me suis dit, vous aviez tout intérêt. La meilleure chance c'est d'essayer de tuer Funka. Et quand j'ai vu que Coca était à l'opposé, je me suis dit, ah bah je peux peut-être tuer Funka et si j'arrive à temporiser un peu en 2v1, on peut peut-être tuer Coca, mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort et il a failli quand même passer. Bon, ça va être le 1v1 contre Gob maintenant.
Ouais, bah j'avoue que ça m'arrange en plus de jouer contre les Français plutôt que les Mongols, parce que les Mongols en 1v1 c'est godlike. C'est très dur, c'est très dur. Au dernier tournoi ils ont écrasé tout le monde, ouais. Et en plus il est trop chaud, donc il nous aurait pu le vert. Hein. Bon, c'est un BO1, vous savez, tous les deux. Bah on va essayer, hein. BO1, donc maintenant voilà. Ah, c'est cool, hein, ouais. Plus moyen de reculer, ça va. En tout cas t'as fait une game de fou, je voulais te le dire, donc félicitations. C'est tout. Non, je te jure, tu verras en replay, tu verras en replay. Ah, je pense qu'on peut plutôt applaudir Coca, s'il vous plaît. C'est vrai, Coca. Non, mais c'est vrai. Merci. Sky. Coca qui vraiment... Pff, sous le feu des deux ennemis. Hein. Sous le feu des deux ennemis. C'est la loi du FFA. Eh oui, c'est la loi du FFA. C'est la loi du FFA. Et ils avaient effectivement tout intérêt, eux, à se liguer contre lui. C'est ça qui est terrible. Et oui. C'est ça qui fait la magie du format aussi. Mesdames et messieurs, il reste une seule partie. Une seule partie, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, il n'y a pas de « ouais, s'il y a égalité ». Non, non. C'est une seule partie, ça va être un 1v1. Et là, il n'y aura pas de timer ou quoi que ce soit. Non. Ce sera le premier qui détruit les monuments de l'autre. Même si ça dure une heure et demie, on reste là une heure et demie, on s'en fout. C'est qu'une seule game. Une seule game. Tout peut arriver. Mais... évidemment, il y aurait une petite pause avant, sinon ce serait pas marrant. Donc on va les laisser un petit peu respirer, les joueurs. Gob et Skyert, on va les retrouver en finale, mesdames et messieurs, pour les 5000 euros de cash prize. A tout de suite dans 5 petites minutes. N'allez pas loin, ça passe vite. A tout de suite. L'heure de couronner le grand gagnant approche. Après de terribles épreuves, nous avons enfin nos deux finalistes. L'ultime bataille est là. Champion, préparez-vous.